Salut à tous, ici Jack, on se retrouve pour un nouvel épisode de Project Zomboid. Alors, épisode un peu spécial parce que nous sommes sur le build 35.2. Donc pour moi, c'est avant mon départ en vacances. Une particularité de ce build, introduction du travail du métal. J'ai fait une vidéo de présentation sur le sujet. Vous avez également les grands arbres, enfin plein d'autres nouveautés. Alors en off, je suis allé faire un tour au nord d'ici pour voir si la mise à jour ne buguait pas trop et si les nouveaux items étaient bien présents. Alors ils le sont. Vous allez voir, j'ai récupéré notamment voilà des bouquins pour le nouveau métier, donc celui-là. Et j'en avais un autre, je crois. Voilà, et j'en avais deux autres, vous voyez. Donc ça tombe bien, hein, vous voyez. Travail du métal, débutant, intermédiaire, et voilà. Bon, je vais pas les lire tout de suite, hein, mais voilà. Bon, les nouveaux items sont là. Je vais aller les ranger, ensuite on va récolter. Et puis ensuite, eh bien, j'ai bien envie qu'on retourne dans le centre-ville. Alors, déjà, pour aller refaire le plein des couteaux. Pour aller faire le plein des couteaux parce que on commence à manquer de couteaux et aussi pour retourner visiter l'entrepôt. Alors je suis allé vérifier dans l'épisode où on avait visité l'entrepôt, il y a une partie qu'on n'a pas faite. Donc avec un peu de chance, on va pouvoir récupérer du matériel pour le travail du métal. Et ça, eh ben ça serait plutôt pas mal qu'on récupère des choses. Bon, je vais laisser ça par terre, alors là-dedans, ça sera très bien. Je vais aller ranger un petit peu tout ça. Alors, il y a des bouquins, ouais, il va falloir qu'on aille choper les bouquins, parce qu'il y a des bouquins maintenant pour l'électricité. Vous voyez, on galérait à grimper l'électricité. Là, maintenant, on a les bouquins qui vont bien, quoi. Donc, on va arrêter de démonter ça. Et on s'en occupera quand on aura les livres. Ok, je vais laisser la scie ici. Le tournevis, je vais le garder avec moi. Ça, je range. Les écouteurs, je vais les mettre là. J'avais commencé à déplacer un peu aussi le matériel ici. Bon, ça, je vais le mettre ici. C'est pour le travail du métal. Hop. La hache cassée, je vais la laisser là-devant. Alors, comme on va aller à l'entrepôt, je pense qu'il serait plus qu'intéressant de récupérer la masse. Voilà, j'ai récupéré pas mal de choses quand même, hein. Donc tout ça, on s'en fiche, ça va aller en bas. Ça, ici. Et tout ça va descendre en bas. On va essayer de préparer ça correctement. Ensuite, on ira récolter. On passera la nuit. Alors, ils ont... Oui, alors, dans la mise à jour, pendant que je range... Il y a eu pas mal d'évolutions, notamment le système de sommeil. En fait, maintenant, vous ne contrôlez plus le temps que vous dormez, en fait. Ce qui est plutôt cohérent, hein. On était un petit peu réglé comme du papier millimétré avant. Donc maintenant, c'est plus possible. Vous devez disposer d'un réveil pour faire ça. Donc je pense que des réveils, on en avait. Alors, je sais pas pourquoi j'ai rangé les plats à rôtir étant donné que j'ai une chaussure sur moi. What? Pourquoi j'ai une chaussure? Bon, c'est pas grave. Alors, 7 sur 7 au niveau de la croissance. Ok, on récolte. Du coup, on va se refaire une petite ligne. Mes graines de tomates.
On a les vaporisateurs pleins qui sont... non. Monsieur est décédé. Hop, arrosé. Voilà. Ça, c'est pas encore prêt. Ça, ça l'est. 7 sur 7. Ça, c'était des choux. Arrosé. Nickel. L'agriculture qui monte, oui, c'est pas ridicule, hein. Pommes de terre. Alors ça en est où? Info. 6 sur 7. 5 sur 7. Et ça doit être un 6 sur 7. Ok, bon, on a récupéré pas mal de choses. De la graine. Ça, c'est plutôt bien. Bon, le vaporisateur, on remplit. Ok. Et l'autre, il est où? Il est dans mes mains, je pense. Oui, c'est ça. Hop. Voilà. Commence à avoir un sacré fatras ici. Je fasse un peu de rangement en off. Bon, je vais me mettre à cuire 2-3 petits trucs. Histoire que demain on ne parte pas vide. Et voilà. Ça va être parfait. Ça, hop. On laisse ici. On va se boire. Allez hop, on boit tout. On boit tout. On fait dodo. On reboira l'autre soupe. Au réveil. Et c'est parti. Alors vous voyez, maintenant vous ne contrôlez plus le temps de sommeil. Oh bah c'est parfait ça, 6 heures. Pourquoi j'ai soif? Parce que je n'ai pas remis le vaporisateur à sa place. Ok, le chou est pourri. Ok. Est-ce que j'ai bien une hache? Non, j'ai plus de hache. On va se prendre celle-ci. Ok. On se boit la petite soupe. Laisser ici les vitamines, c'est bon. Le briquet, on va le laisser là. Bon, on part, on est bien équipé. On a des plats à rôtir. Ça, je laisse ici. Ça, acheter les verres par terre. Là, oui, notre petit rempart fonctionne bien.
Oula, ça tapote méchamment. Et oui, on va laisser ça ici. On va aller s'occuper de tout ça. De façon nette. Allez, venez les gens. Voyez, j'avais commencé à nettoyer un peu le périmètre. Et ça y est, c'est déjà le foutoir. Hein. Petits préparatifs, les préparatifs ont été plutôt longs. Oh bon, bah dis donc. Toi mon coco. En fait, on va peut-être pas descendre tout de suite, il va falloir qu'on sécurise un peu la zone. Parce que là, ça semble s'accumuler. Alors généralement, c'est possible que ça vienne du patch. Eh bien, dites-moi. Oh bah il y en a encore là, dis donc. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, hein, on va se nettoyer tout ça parce que là le patch visiblement m'a fait apparaître du monde, des petits indésirables. C'est peut-être une occasion de bouffer un peu les couteaux à beurre. On va les mettre là. Du monde à l'intérieur. Non. Bon. Ok. Oh là 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 là. Il y en a là aussi. On va aller voir parce que du coup on n'est pas allé voir le périmètre, à mon avis. Ah, je vais mettre pause, il y a mon chien qui grommelle. Ok, alors. Visiblement par là c'est plutôt calme. Là je vois rien. Qu'est-ce que c'était que ces squatteurs? Apparemment, une zone. Ils étaient localisés ici.
Est-ce que ça repop par là? Apparemment non. Voilà, bonne averse là. Je vais aller rentrer et me mettre au sec. Je vais aller rentrer et me mettre au sec tout de suite. Ok, on est sous la plateforme. Ok, bon, on va en profiter. On va en profiter. Ah oui, tiens, ma technique de séchage. Va se sécher un peu. Bonne averse. Une bonne averse. Heureusement qu'on n'est pas parti tout de suite, ça nous aurait un peu embêté tout ça. On profitait pour faire un petit. Le tournevis est super abîmé. On a 12 tournevis hein, quand même. C'est loin d'être ridicule. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un bien. Voilà. Alors maintenant, le tournevis sert en combinaison avec la scie et le marteau pour démonter des choses avec la compétence menuiserie depuis le patch 35. Donc c'est plutôt pas mal et ça laisse à penser que quand vous partez en expédition pour aller vous faire un petit peu de démontage en menuiserie, ça peut être intéressant de prendre la scie avec vous histoire de dire que vous avez ce qu'il faut pour récolter. Voilà, et je vais prendre ça au cas où. J'ai un bandage adhésif. Bon, il pleut toujours. Mais on va pas rester là trop longtemps. J'aimerais bien aller voir un peu comment ça se présente par là. Parce que mes petits copains venaient de là. Alors on les entend couiner, ils doivent être à proximité. Avec mon couteau à beurre là. Vous voyez, ça repop doucement. Eux, ils m'ont entendu, mais ils ne m'ont pas vu. Elle, par contre, m'a vu. Même pas. Ça, c'est ce qui s'appelle de la mise au sec.
Ah, il y a une petite mer là qui est... Super, serviette de bain, se sécher. Ouh, il y a l'air d'avoir du monde dehors. La pluie semble s'arrêter. Ah, ça m'embête un peu ça. Remarquez, ça a l'air de se calmer. Non, c'est pas calmé du tout. C'est bon, ça s'est arrêté. Bon, là on va passer en mode discret ou pas. Elle est plane. On a cassé le tourne. On a cassé ça. Là, on a du monde. Remarquez, en descendant, si on pouvait se faire quelques garages. Parce que de mémoire, les garages, on les a pas trop faits. Cool, c'est d'arriver à se faire un garage ou deux par là. J'ai pas envie que ça m'arrive dans le dos. Dis-toi, Minette. Toki-walki. Ah, mais faut pas qu'on s'encombre hein, parce que là. Ça avait été fait, ça. Il n'y a pas de verre brisé. Ouais, ça a été fait, ça. Tout ça a été... Ouf! D'accord. Ah, ils m'ont vu. Ah, ça, par contre, j'ai pas dû le faire. Ça, j'ai pas dû le faire. Essayer de... Vous voyez, tout ce qui est pour le travail du fer, il va nous falloir il va nous falloir un chalumeau.
va nous falloir un chalumeau et un masque de soudeur. Donc je pense que dans des garages, ça paraît cohérent. Alors vous avez vu le petit raté du couteau. Ça vient du couteau à beurre. Qui a une petite chance de rater. Réservoir de propane. Ça sert à recharger le chalumeau. Et là, on n'a rien d'intéressant. Ah, si, on a une nasse. Ça, c'est bien. Allez, on se fait le garage d'en face. Une belle population par là. Ah, du charbon de bois. On a déjà lu ceci. Ah, ça doit être le nouvel icône du charbon d'avant. Bon, là, c'est détruit. Par contre, on a des garages. On va laisser les faire et on. L'épisode s'arrêtera là-dessus. On part à la chasse au chalumeau. Et pour l'instant, on n'a rien trouvé. Bah, il y a un groupe. Ah, toi, tu m'as vu, petit pépère. Ça couine, mais où? Là, ils sont à l'intérieur. Alors après, pour trouver du matériel pour le travail du fer, on a aussi tous les garages qu'on n'a pas fait. Vous vous souvenez, près de la base secondaire. On a quand même notre chance de trouver. Vous voyez, on a déjà un peu de matériel là, métal tube. Ah oui, ça je prends. Ça je prends. Mais je peux pas tout prendre. Sont en train de s'exciter là, tout seul. Bon, c'est bon pour nos affaires, ça. S'ils sont en train de s'exciter là-bas, ils sont pas sur nous. Vous avez déjà lu ceci, ok. Ah, les garages sont ici, la base secondaire est juste à côté. Ouais. Ah, ça c'est bien, ça, celle-là n'a pas été visitée, c'est sûr. Allez. Ok. C'est loin. C'est marrant ça comme disposition. Alors, je vais fermer ça, j'avais pas envie qu'il y en ait un qui m'arrive dans le dos. On va déplacer ça parce que sinon on va pas réussir à passer. Et où cette petite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous n'avez pas lu ceci. Ah, alors, ça m'intéresse si je ne l'ai pas lu. Et des clous. Ah, la déception absolue. Eh bien, écoutez, nous allons nous arrêter là-dessus. La suite de cette petite expédition chalumeau au prochain épisode. Voilà, merci d'avoir regardé. Pensez à mettre un petit pouce et à laisser des commentaires. Pour me dire si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour être tenu informé des prochaines sorties. Voilà, salut!